Charlène de Monaco commence à trouver le temps vraiment long loin du prince Albert et de ses jumeaux. En effet, elle est toujours coincée en Afrique du Sud où elle tente de combattre une infection de la sphérole. À cause de cette grave otite, elle ne peut pas encore prendre l'avion pour retrouver sa petite famille. Une distance particulièrement compliquée à gérer. Alors que les rumeurs d'une possible crise avec son couple faisaient rage depuis plusieurs jours, elle a décidé de sortir du silence pour rétablir la vérité. Mardi 6 juillet 2021, elle a pris la parole face à News 24. Si y est-il une période difficile pour moi. Mon mari et mes enfants me manquent profondément. Ce qui a été le plus difficile à entendre, si est quand mon équipe médicale m'a dit que je ne pourrais pas être chez moi pour mon 10e anniversaire de mariage. Albert est mon roc, ma force. Sans son amour et son soutien je n'aurais pas été capable de traverser cette passe compliquée, a ainsi confié la nageuse. Dans le même temps, elle a pris soin de remercier tous ceux qui ont donné de l'argent à sa fondation afin qu'elle continue à aider les plus démunis. Vos dons et contributions, votre soutien et votre confiance ont permis à nos fondations d'atteindre bon nombre de nos objectifs. Tout cela n'aurait pas été possible sans vous. Le plus beau cadeau que vous puissiez nous faire est d'aider quelqu'un d'autre en soutenant nos fondations, a encore déclaré la princesse qui semblait être émue par toutes les marques d'attention qu'elle a reçues. De quoi souffre Charlène de Monaco? Pour faire taire les rumeurs et expliquer l'absence de Charlène de Monaco sur le rocher, un communiqué officiel avait été envoyé. Il indiquait qu'elle souffrait d'une infection grave des oreilles, du nez et de la gorge pour lesquelles elle a dû subir de multiples interventions compliquées, sans en dire plus.